Bonjour, je suis Jean-Philippe Lanneau, je suis ingénieur système pour la mairie de Cholet et la communauté d'agglomération du Choletais. J'ai été chef de projet sur un gros projet que nous avons eu en 2012 pour dupliquer notre salle machine sur laquelle nous avions un problème de continuité de service. Donc nous avons acquis une salle machine à 3 km de la première. Nous avions comme projet de séparer la salle machine d'origine en deux. Ce que nous pouvions faire au niveau du réseau et des serveurs SXI, VMware que nous possédions, car nous en avions 6 à l'époque. Donc le projet était d'en mettre 3 dans une salle et 3 autres dans l'autre salle, ainsi que de séparer les deux cœurs de réseau que nous avions, d'en mettre un aussi dans une salle et l'autre dans l'autre. Seulement, nous n'avions pas de possibilité au niveau du stockage pour dupliquer notre stockage. Donc nous avons mené une étude sur ce sujet. Après moult tergiversations, nous sommes arrivés à mettre en place une solution, à choisir une solution de type DataCore, car elle convenait parfaitement à notre contexte, étant donné que nous ne pouvions pas nous séparer de notre première solution de stockage. Donc le gros avantage pour lequel on a choisi cette solution DataCore, c'est que l'on peut s'affranchir du type de constructeur que l'on possède. Et si on veut avoir une ou deux ou trois autres baies de stockage, peu importe le constructeur que l'on choisit, et ça pour nous, ça représentait un gros avantage. La solution DataCore nous a plu car elle est basée sur l'installation de deux serveurs qui servent de cache d'écriture, et ce qui permet d'accélérer fortement les performances. La mise en place de cette solution DataCore nous permet également d'acquérir des tarifs intéressants sur ce genre de projet, car ça nous permet de les mettre en place progressivement sans heurter la qualité de service. Du point de vue de l'évolution de ce projet, nous avons acquis l'année suivante des disques SSD que nous avons intégrés sur notre stockage des deux côtés dans les deux salles. Et nous avons acquis aussi des licences d'auto-tiering de chez DataCore qui ont été mises en place également, ce qui nous a permis de faire évoluer notre stockage dans une architecture 3/3. Alors avec une baie de type SATA, une autre baie de type NLSAS et des disques SSD de chaque côté. DataCore s'occupe de tout ça, ce qui permet d'accélérer fortement des serveurs qui sont très fortement utilisés, et notamment celui de la messagerie chez nous. De plus, DataCore nous a permis d'améliorer notre performance au niveau de l'administration en nous permettant de pouvoir arrêter une des deux salles pour pouvoir faire de la maintenance préventive. Donc pour nous, ça a été une solution intéressante pour sa mise en place, pour sa facilité de mise en place, pour son évolution, et voilà. Donc pour nous, c'est un bon système. C'est pour ça qu'on l'a choisi.